C'est très agréable de se lever de bonne heure. À partir d'aujourd'hui, je renonce à mon titre de retardataire. Bonjour. Tiens, bonjour Julie. Qu'est-ce que tu dis de ma nouvelle coiffure? Ça change, n'est-ce pas? Ah oui, alors, je t'avais même pas reconnue sur le coup. Ça me donne l'air plus sérieux, non? Oui, maintenant que nous entrons au lycée, les choses vont changer pour nous. Nous allons faire connaissance avec notre nouvelle école. J'ai un peu le trac. Quelle chance, n'est-ce pas? C'est vrai, nous serons ensemble. Mais j'arrive pas à lire d'ici. Imbécile! T'es pas là à cause de ta coiffure, t'étais ridicule. Attends qu'on t'arrange ça à notre façon. Vous serez responsable de notre classe cette année, mademoiselle? Non, mes enfants, cette année, je suis responsable de la classe 7. Oh! Le professeur principal de votre classe sera l'une de mes jeunes collègues. Ce sera son premier poste et elle a peu d'expérience. J'espère que vous ne mènerez pas la vie trop dure. C'est fou comme je peux me sentir nerveuse. Moi aussi, c'est tellement différent de notre ancienne école ici. Hey, attention les gars, voilà notre prof qui arrive. Je me demande à quoi elle ressemble. Bonjour mes enfants, je suis votre professeur principal. Oh, oh, regarde comme elle est jeune. Oh, elle est nouvelle. Elle est bien. Regarde sa robe, elle va au bal ou bien quoi? Allez, asseyez-vous à présent, nous allons faire connaissance. Voulez-vous regagner vos places, je vous prie? T'as vu cette poupée? Allez donc, tu crois que c'est une prof, ça? Ce sont des élèves, ça. Mon nom est Mademoiselle Macaron. Plus fort! On vous entend pas! Mon nom est Mademoiselle Macaron et je serai votre professeur principal durant cette année. Macaron, carré! C'est mon premier poste en tant que professeur. Oui, bravo! Ça veut dire que vous ne connaissez rien à ce métier, mademoiselle? En effet, mon nom est Mademoiselle Macaron. Elle a rien compris à tes questions, apparemment. Maintenant, pour faire plus ample connaissance, je vais vous demander de vous présenter. Mon nom est Alexandra Suzini, mademoiselle. Et moi, je suis Laura. Mes meilleurs souhaits pour votre première année de professorat. Ouais, ça va, Laura. Moi, je suis Julie et je m'intéresse à toutes les activités calmes et féminines. Ne m'en pas. C'est pas parce que tu changes de coiffure qu'on va gober ça. Moi, je suis Charlie Monin. Je viens d'arriver dans cette ville et je m'intéresse à l'architecture, à la géologie et aussi aux sciences occultes. Je suis Marie Oda. On m'appelle la Grande Marie. Il y a des mauvaises langues qui m'appellent également Marie la Griffe. Dis donc, mignonne, combien tu mesures, dis donc? La ferme. Moi, je m'appelle Max Mirabeau et j'étais élève au collège de la Plaine l'année dernière. Mon passe-temps favori, c'est l'escrime. C'est original! Bonjour, mademoiselle Macaron. Moi, je m'appelle Ray Ishido. Mon passe-temps favori, c'est de faire la java avec tous mes copains. Comment est-ce qu'on a pu admettre ce rigolo au lycée? Sa place n'est pas ici. Hein? Tu penses que je ne mérite pas d'être ici? Oui. Il a osé m'insulter, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je n'en sais rien, tu pourrais retourner d'où tu viens. Chiche, et je te parie que je fais l'aller-retour en un temps record, tu veux voir? Oh zut, alors j'aurais peut-être mieux fait de ne rien dire. Zut, j'ai perdu mon ticket. Il faut que j'en achète un.
Et j'ai pas eu mon ticket et ma pièce est coincée. Attendez, elle va redescendre. Mais c'est laquelle? Je ne reconnais pas la mienne. Oh non, je me suis trompé, ce n'est pas la bonne direction. Très bien, je crois qu'à présent, nous avons tous fait connaissance. Bonjour, mademoiselle Macaron, mon nom est Reishido. Je passe mon temps à relever des défis stupides. Quoi? Et qu'est-ce qu'ils ont? T'as vu la montre de Marie? C'est une montre suisse. Oui, elle est ravissante, n'est-ce pas? Elle est superbe. C'est une montre de très belle qualité, vous savez. Oh, mon mouchoir brodé à la main est tombé. Oh, mais ça vient de Venise. C'est du travail d'artiste, ça. Oh, je viens de perdre mon stylo plume en or. Vite, aidez-moi à le retrouver, s'il vous plaît. C'est une grande marque, vous savez. Non, mais écoutez-la un peu. Dans le genre snob, je crois qu'on peut pas faire mieux. Quant à mon uniforme, c'est un Fanel. Ah bon, tu t'habilles chez les grands couturiers? Et tu l'as payé avec ta carte Vison, salope? Ça suffit. Je ne porte que des vêtements de luxe signés par de grands couturiers étrangers. Et même tes petites culottes? Va-t'en! S'il y a bien une chose que je ne peux pas supporter, c'est qu'on soit vulgaire. Tes dessous sont fabriqués chez nous. Ah, les a eu en solde. Est-ce que vous allez vous taire à la fin? Vous n'êtes qu'une bande de minables sous-évolués, des dégénérés. Nous sommes les joyeux loufoques. Voilà. Dis donc, t'as entendu ça? D'après cette pimbèche, nous serions une bande de dégénérés. Quoi? Des dégénérés? Fais attention à ce que tu dis. Ah bah non, c'est elle qui a dit ça. Comment peux-tu nous insulter de cette façon? Nous sommes des êtres humains au même titre que toi. Oui, parfaitement. Au même titre que les asticots. Au même titre que les insectes. Au même titre que les oiseaux. Tu as fini de faire l'imbécile? Non, je n'avais pas encore terminé. Tais-toi, je te dis! Toi et tes copains, vous n'êtes vraiment qu'une bande de misérables. T'as déjà eu un stylo comme celui-ci, fabriqué en Suisse? Oh! Alors? Ne me fais pas rire, moi aussi j'ai des vêtements fabriqués à l'étranger. Tiens, regarde! Une jupe en paille fabriquée en Afrique. Tu aimerais bien en avoir une, n'est-ce pas? Certainement pas, espèce d'imbécile! Je suis allée me changer. Est-ce que c'est mieux? Dites-moi. À qui appartient ce superbe stylo plume en or? C'est à moi, mademoiselle. Vous ne devriez pas venir à l'école avec des objets d'une si grande valeur, vous savez. Vous osez me dire une chose pareille? Mademoiselle, elle nous a traités de minables sous-évolués et de dégénérés, vous vous rendez compte? Oh, c'est mal de dire ça à ces petits camarades. Après tout, ce sont des êtres humains exactement comme nous-mêmes. Des êtres humains? Mais enfin, regardez-les, mademoiselle. Ce sont des monstres, des animaux. Est-ce que vous pourriez les regarder au fond des yeux comme des êtres humains? Bien sûr, j'en suis capable. Maintenant, je comprends ce que vous vouliez me dire. Oui, n'est-ce pas? Est-ce que ça va, mademoiselle Macaron? Elle aussi, elle nous méprise. C'est pas juste. Je n'aurais peut-être pas dû réagir comme ça. Mademoiselle et Larry m'avaient dit que, malgré tout, ce sont de braves garçons, tous les cinq. J'aurais dû me maîtriser. Je me suis laissée aller à juger sur les apparences. C'est très mal. Bon, écoutez-moi. Désormais, j'arrête les excentricités vestimentaires et vous en faites autant. Mais de quoi parlez-vous, mademoiselle? Eh bien, c'est très simple. Je ne m'habille plus pour venir au lycée. Wow! Enfin, mémé, que faites-vous? Que croyez-vous donc? Je prévois toujours une tenue de rechange, vous savez? On aurait dû s'y attendre, les gars, c'est des gros pour être vrai. Eh oui, il faut bien que jeunesse se passe.
interrogation écrite. Ça me glace le cœur, rien que d'y penser. Avec ce froid, moi c'est mon corps tout entier qui est glacé. Ne sois pas si douillette. Si encore on avait eu de l'argent, on aurait pu aller prendre une tasse de thé, histoire de se réchauffer un petit peu. Oh, aïe! Oh, zut! Chaque fois que le vent se m'a soufflé, mes boucles d'oreilles en lames de rasoir me coupent le visage. Hatch! On ne peut pas sécher une interro sans risquer une pneumonie dans ce fichu lycée! Ça doit être terminé maintenant. Allez, retournons en classe. Des fortes têtes en jupon. Tiens, qu'est-ce que c'est? Une lettre d'amour? Penses-tu, ce genre de lettre, je m'en passerai bien. Ah, Lila. Eh, venez les filles, lisons-la ensemble. Voyons ce que c'est. Oh, apparemment, c'est pas du tout une lettre d'amour. Je dirais même le contraire. Oh, regardez, c'est un avertissement. Regardez, c'est signé par le professeur de la classe 3. Mais qu'est-ce que ça veut dire? T'es même pas dans la classe 3. Aucune importance. Allez, venez, on retourne en classe. Bon, je vous rendrai vos copies avant la fin de la semaine et nous corrigerons ça ensemble, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Ouais. Alors, tu peux le faire? Tu me fais goûter ton sandwich. Tu casses déjà la croûte à cette heure-ci, toi? Je commence à avoir faim. Et si je déjeunais? Vous avez déjà fini de corriger toutes vos copies, mademoiselle Hilary? Non, il m'en reste encore quelques-unes. Mais je vais m'arrêter. Nous déjeunons ensemble? Oh non, pas aujourd'hui. J'ai mes premières copies à corriger. Il faut que je m'y mette. Je veux corriger tout ça dans la même journée. Vous devriez peut-être vous ménager un peu. Vous risquez de vous surmener. Très bien. Pour commencer, voici la copie de Laura. Est-ce qu'elle a bien répondu à la première question? Bravo, réponse exacte. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ce hurlement? Elle a mal répondu à la deuxième question. Et alors, ça peut arriver à tout le monde de se tromper. Mais je sais qu'elle était capable de bien répondre. Je suis certaine qu'elle l'aurait faite en classe. Oui, mais il s'agit d'une interrogation écrite, pas d'une interrogation orale. Il n'y a pas de quoi en faire une histoire. Peut-être qu'elle a mal compris. Bon, je vais être indulgente. Et maintenant, la copie de Julie. Oh, la première réponse est fausse. Pas de chance. C'est une jeune fille très impétueuse et elle n'a pas dû prendre le temps de bien lire la question. Je devrais être indulgente avec elle aussi. Non, mais qu'est-ce que j'entends? Est-ce que vous vous laisseriez influencer par vos sentiments personnels? Oh, pas du tout. J'essaie simplement de comprendre mes élèves et de les noter en fonction de leurs capacités. Non, ce n'est pas ce qu'on vous demande. Il n'y a qu'une façon de corriger les copies et je vais vous l'expliquer immédiatement. Tout d'abord, vous apprenez vous-même les bonnes réponses par cœur. Puis, vous regardez si ce qui est écrit sur la copie est juste ou faux. Si c'est faux, vous barrez et vous mettez zéro à la question. Comme ça, vous marquez faux ou exact sans vous laisser attendrir, c'est tout. Puis, vous additionnez les points pour noter. Juste, faux, faux, juste, faux, juste. Ça fait 8 sur 10. Juste, faux, juste, faux, juste, faux. 3 sur 10. Juste, faux, juste, faux. 5 sur 10. Vous avez mis faux alors que c'était exact. Oui, oui, c'est vrai, je me laisse emporter par mon élan. Mais ça n'a aucune importance. Bon, alors continuons. Juste, faux, juste, 8 sur 10. Faux, juste, faux, 1 sur 10. Juste, faux, juste, 9 sur 10. Faux, juste, faux. Et vous continuez comme ça, vous avez compris. Voilà de quelle façon vous devez corriger. Oh, c'est pas vrai. Mais elle se moque du monde. Ça va mal aller. Oh, une copie vierge. Voilà, mademoiselle, vous vouliez me parler? Approchez, je vous prie. Voilà. Quelque chose ne va pas, mademoiselle? Vous avez rendu une copie vierge. Expliquez-moi ce que ça veut dire. Vous vous moquez de vos études? Oui. Oh! Mais ce n'est pas une copie vierge, regardez bien. Qu'est-ce que vous dites? Je crois qu'il y a une bonne réponse. C'est un zéro et c'est moi qui vous l'ai mis. Vous avez bien fait, mademoiselle Hilary. C'est tout ce qu'elle mérite. Vous auriez pu faire l'effort d'écrire quelque chose, ne serait-ce que par respect pour nous. Pourquoi faire cet effort? J'aurais eu zéro de toute façon. Je ne suis qu'une bonne à rien. Vous me l'avez toujours dit vous-même, n'est-ce pas?
Quoi? Vous osez lever la main sur une élève, mademoiselle Hilary? Vous savez ce qui vous attend si jamais vous me frappez? Taisez-vous, impertinente! Bizarre, je n'ai rien senti du tout. Et qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi vous m'avez giflé? Toutes mes excuses, ce n'est pas vous que je voulais gifler, mais cette espèce de tête à claque! Quelle tête à claque? Vous voulez dire que j'ai une tête à claque, hein, c'est ça? Non, c'est cette tête à claque, je vous dis! Oui, eh bien, en tout cas, on ne gifle pas quelqu'un parce qu'il a une tête à claque. Et pour une fois, je n'avais rien fait, c'est injuste. Ray, je vous ai fait appeler parce que vous avez aussi un zéro. Ah bon, si j'avais su, je ne me serais pas excusée. Je n'ai pas rendu une copie vierge, moi. J'ai fait de mon mieux pour répondre aux questions, mais toutes mes réponses sont fausses. Au moins, j'y ai mis de la bonne volonté. D'accord, d'accord, c'est bien, c'est très bien. Ouais, c'est super ça, je vais finir par croire qu'elle me complimente parce que j'ai eu un zéro à mon devoir. Puisque vous n'avez plus rien à me dire, je m'en vais, mademoiselle. Mais où est-ce que vous allez? Je ne vous ai pas dit de partir. Alors raconte, y a rien à dire. Elle a essayé de me gifler parce que je lui ai dit ses quatre vérités. On aura cette vieille peau de vache. C'est une élève très étrange. Elle a vraiment tout fait pour vous irriter et pour que vous leviez la main sur elle. Je ne comprends pas du tout son comportement. Elle est masochiste. J'ai remarqué que vous étiez plus sévère avec elle qu'avec tous les autres élèves. J'étais comme elle avant. J'avais le même caractère qu'elle. Si nous ne faisons rien, j'ai peur qu'elle n'aille faire des bêtises et qu'elle ne s'attire des ennuis. Ah oui, vous croyez vraiment ça? Mais que pourrait-elle faire d'après vous? Pour autant que je la connaisse, elle a dû sortir d'ici avec l'idée d'aller chercher la bagarre à quelqu'un. Il faut qu'on l'aide! Vite, allons-y, nous devons la suivre! Très bien! Vite, allez, plus vite, paresseux! Il faut la rattraper avant qu'il ne soit trop tard! Allez, hop, vite! Tiens, 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 t'as quand même fini par venir avec ta bande. C'est très courageux de votre part, félicitations! Les imbéciles ne m'ont jamais fait peur. Retire ça tout de suite ou bien tu vas le regretter. Qu'est-ce que vous avez arrière comme ça? C'est ta tête. Elle s'est allongée 2 mètres dès que je t'ai traité d'imbécile. N'allez pas rigoler très longtemps, croyez-moi. Vous allez voir ce que je sais faire quand je suis en colère. Attention, voilà une planche. Une bouteille. Voilà une thune. Voilà un rosé. Quel est le crétin qui a envoyé un rocher, hein? Attendez qu'on vous apprenne à vous moquer de notre chef. Restez où vous êtes, espèce de macaque. Plus un geste. Mais qui c'est celle-là? N'ayez plus peur, les filles, on est venu vous aider. Hilary? On me connaît sous plusieurs noms, si vous voulez savoir. C'est elle qu'on appelle parfois la catcheuse masquée. On l'appelle aussi le justicier masqué, sans peur et sans reproche. Mais elle est plus célèbre encore sous un autre nom. Elle est capable de devenir le célèbre gorille Hilary Kong. Mademoiselle! Allons, c'est fini. Est-ce que ça va? Vous n'avez pas été blessée? Allez, venez, retournons au lycée maintenant. Pourquoi êtes-vous intervenue? Vous n'avez pas à vous mêler de nos affaires, vous entendez? Je n'admets pas qu'on me parle sur ce ton-là, c'est compris? Je suis désolée, ce n'était pas vous que je voulais gifler, mais cette espèce de petite tête. Et vous n'allez pas utiliser la même excuse 2 fois de suite, ça ne prend pas cette fois.
Oh, pardon. C'est la première fois que quelqu'un paraît s'intéresser vraiment à moi. Mais c'est quand même stupide de sa part. Excusez-vous, je vous excuse. À partir de ce jour-là, elle n'a plus rendu de copie vierge. Elle n'a plus eu un seul zéro. Mais pour le pauvre Ray, les choses n'ont pas changé. Heureusement d'ailleurs. Sinon, je ne serais plus Ray. Yeah.